njia zote ni njia sawa me ifo njia zote kuitengeneza paske huko wengine wanaishi tu na njia ya maji kama sisi tuko hapa tunafikia njia ya maji njoo kuna tufavorise ku province paske province yetu iko enclave njia ya barabara iko magumu me njia ya maji tunaomba wakubwa watilie macho na kutufungulia kurke tusikuwe na tatizo yenyewe inaweza kutuletea shida bendele kutia hivi banatia ba consigne ku maji na vitu vingine vya kuweza kufacilite bachuuzi mabaliniere mabato yende sambamba kusio shida hata mbalimbali. Nous avons bâti un travail de titan pour que ce soit la satisfaction de nos confrères navigants et les armateurs. Le tronçon est facile à naviguer parce que le sillon maintenant est implanté et quelques lieux d'obstacles qui sont des balises qui ont été cassées où on a mis d'autres bouées pour signaler les obstacles. Maintenant c'est passable. Auparavant, ils naviguaient à vue d'œil de par leur propre expérience. Maintenant, ils peuvent associer leur expérience et les signaux qu'on a plantés. Vraiment, c'est vraiment très pratique. En soi, dans chaque passe, il y a la présence seulement des roches qui sont matérialisées par des balises. Et maintenant, les difficultés que nous avons approuvées, il y avait maintenant une forte courant. Vous savez, quand l'obstacle est sous l'eau, ça crée le courant. Un courant fort. Et on devrait à tout moment, en tout cas à tout prix, remettre la visibilité sur ces lieux pour que, bien que le courant est fort, mais les navires, dont les commandants des bateaux, puissent au moins savoir que à cet endroit, il y a tel signal pour qu'ils ne puissent pas y heurter les roches qui sont sous l'eau. Le Bundu a beaucoup de risques. Beaucoup. Surtout, il y a un balisage qui a été respecté. L'accident qui a été fait sana na zaidi. Pata magumu zaidi ya mara tatu mu maji. Juu na mimi nakuwa vile vile na machombo. Inafanya kazi mu maji. Ya kwanza tukia kushikonga mjiwe, vitu kamwangika, chombo kapasuka, tukapoteza vitu plisi ya saka $14,000. Na ya pili ilikuwa mutraverse kutoka kufile ya Kindu kufuka ngambo ya pili. Nikapoteza tena vitu ya pepe ya $12,000. Kwanza enye ilikuwa na kuzile baksida hata hivi ni kutokuwa na suivi ya gouvernement kuenda na balize njia na kuenda nafanya entretien surtout juu ya njia. Ilifaa kubafanyisha bakapitene bakomanda vile mafunzo sa vile zamani ilikuwaga banafanya maformation juu ya bakomanda italeta mzuri zaidi. La jeunesse que nous avons rencontrée n'a jamais vu un bateau balisé ou n'a jamais vu des signaux, par exemple des signaux flottants. Ils se sont posé des questions, comment ces signaux flottent, quelle sont la magie qu'on a fait pour que ces signaux restent sur place, or ça se trouve sur l'eau. Pour les anciens, les papas, les vieux sur d'autres agglomérations, ils savent au moins comment les SNCC naviguaient auparavant et au moins sont en train de relater cette habitude qui auparavant leur servait vraiment de la joie mais aujourd'hui oubliée. Et ça a fait une renaissance pour eux de revoir vraiment les balisards reprendre sur cette trosse. 40 ans après, ça n'a pas été facile de nous retrouver. Mais si nous sommes vraiment nous rapprochés de la réalité, c'est parce que nous avons eu des informations auprès des riverains, nous avons eu des informations auprès de quelques capitaines qui sont habitués à naviguer sur ce tronçon, avoir vraiment de précision. Maintenant, les difficultés que nous avons approuvées,
Dieu merci, nous avons vraiment pas raté nos cibles sur l'eau, parce que on craignait une fois rater les cibles, comment on devrait récupérer la bouée, ces blocs, pour les réajuster convenablement là où l'obstacle est. Par manque de la grille, comme d'habitude dans un baliseur, mais avec les baliseurs d'enfouillant, quand nous allons repartir pour la correction, là je pense que ça sera encore plus précis de ce qu'on a fait.